Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. La semaine dernière, nous avons vu le site de Qumran et surtout ses célèbres manuscrits. La comparaison entre ces textes de la Bible datant du IIe siècle avant Jésus-Christ avec ceux que l'on possédait en 1947 et qui étaient les codex d'Alep et de Leningrad datant du Xe siècle après Jésus-Christ a montré des textes pratiquement identiques malgré 1000 ans de transmission écrite. Une fidélité au texte tout à fait extraordinaire. Comment cela a-t-il été possible, Henri ? Oui, c'est assez extraordinaire et cela provient de la manière dont les croyants juifs considèrent le sacré de leurs textes bibliques. Dans la retranscription qu'ils ont fait des textes bibliques, en tout cas à partir d'une certaine époque, ils avaient développé un système de comptage des lettres et des colonnes qui leur permettait de contrôler le mieux possible si la copie était exacte. S'ils se rendaient compte qu'ils avaient fait une erreur sur une feuille de parchemin, ils rendaient cette feuille inutilisable, ils ne la brûlaient pas parce que ça restait du texte sacré, mais ils la rendaient inutilisable et faisaient une nouvelle feuille. On parle en général du texte massorétique, les massorètes, c'est-à-dire les copistes qui, selon un certain système, copiaient les textes et comptaient s'ils n'avaient pas fait d'erreur. Et c'est cette manière d'agir qui a permis au peuple juif de sauvegarder ces textes à un moment où l'imprimerie, qui copiait les mêmes livres, tous les mêmes forcément, n'existait pas encore, et où des copies se faisaient à un tas d'endroits, là où des juifs étaient dispersés. Et cette fidélité au texte, elle a été prouvée par la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Dans le livre du prophète biblique Ésaïe, donc le même dont on a retrouvé ce rouleau complet à Qumran, j'ai été frappé par ce passage du chapitre 40, au verset 8 exactement. « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Oui, c'est vrai que c'est un très beau passage dans ce livre d'Ésaïe, précisément. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament cite souvent des textes de l'Ancien Testament, et le livre qu'il cite le plus, c'est le livre d'Ésaïe. En 1952, le père Roland Deveau a encore retrouvé 2 rouleaux de cuivre. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, on a dit beaucoup de ces 2 rouleaux de cuivre. À l'origine, il semble que c'était 1 rouleau de cuivre, inscrit aussi en lettres hébraïques. Ils furent découverts le 20 mars 1952 dans la grotte numéro 3. Quand on a trouvé ces 2 rouleaux de cuivre, on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même un peu postérieurs à tous les manuscrits sur parchemin que l'on avait déjà découverts auparavant. On pense que ça date de 130 après Jésus-Christ, donc quand même une soixantaine d'années après la destruction de Jérusalem et la cache des autres manuscrits. Alors, ce texte en cuivre ne pouvait pas être lu au départ, parce qu'après 2000 ans, il y avait quand même eu une certaine oxydation, et c'était devenu très friable. Et on a dû attendre 3 ans avant qu'un collège de sciences et de technologie à Manchester, en Angleterre, ne découpe les rouleaux en petites bandes, hein, en les sciant chaque fois avec une petite scie très particulière, pour que l'on ait finalement un tas de petits morceaux de cuivre, hein, arrondis. Et en 1993, ces morceaux ont été donnés à la Fondation technique d'électricité de France, qui a un mécénat scientifique et qui alors, avec des procédés tout à fait modernes d'ordinateurs, de prise de vue numérique, a réussi à faire un fac-similé sur cuivre de ces rouleaux en ayant pris des images de tous ces petits morceaux et puis en les reprojetant, en les martelant, enfin, selon un système tout à fait particulier. Ce que l'on dit quand on lit le texte, c'est qu'on décrit qu'il y aurait un trésor caché dans les environs de Qumran. On y parle d'or, d'argent, d'objets cultuels, de vêtements des prêtres, d'aromates précieuses qui sont cachés aux alentours de Qumran. Et alors,
Est-ce qu'il a été trouvé, ce trésor? Ah non, non, pas encore. Mais je peux dire aux spectateurs qu'en fin d'émission, je donnerai mon adresse et que je suis prêt à vendre quelques bons conseils pour ceux qui cherchent. Non, plus sérieusement, on pense que c'est un trésor qui soit a existé vraiment, mais dont on a exagéré l'ampleur. Plus sérieusement, on pense quand même encore que c'est plutôt une sorte de trésor fictif qui est mentionné là en souvenir de ce qu'étaient les trésors du temple de Jérusalem avant l'attaque de 70. Je rappelle que ces rouleaux donc, datent des années 130 et donc sont postérieurs à tout ce qui s'est passé à Jérusalem, et c'est probablement une fiction que l'on s'est faite après, alors qu'on n'avait plus les objets dont on parle dans ces rouleaux. Est-ce qu'il pouvait y avoir justement à ce moment-là à Jérusalem? Oui, et dans les alentours, mais probablement au temple de Jérusalem. Oui. Pour revenir à nos manuscrits, où se trouvent-ils aujourd'hui? Mais on aurait tendance à penser qu'ils se trouvent tous au même endroit, mais ce n'est pas le cas. En fait, ils sont dispersés à pas mal d'endroits. Par exemple, quelques documents qui proviennent de la première grotte se trouvent au musée archéologique d'Amman, en Jordanie, parce qu'à l'époque, le territoire était jordanien et pas encore israélien. D'autres documents se trouvent, eux, au musée archéologique palestinien de Jérusalem, d'autres au musée archéologique d'Israël à Jérusalem, d'autres encore se trouvent à la Bibliothèque nationale de France ou par exemple à l'université d'Heidelberg ou à l'université de Chicago et ainsi de suite. Pourquoi cette dispersion? Alors ça provient des accords qui sont pratiqués dans les pays où se font des fouilles archéologiques, principalement au Moyen-Orient, mais aussi forcément dans d'autres pays. C'est d'ailleurs assez compliqué. Ces principes veulent que, quand on trouve des objets ou des documents ou autres, qu'une partie reste propriété de l'État où les fouilles ont lieu, une partie devient propriété de l'université qui pratique les fouilles, qui peut être une université européenne ou américaine, et une partie devient propriété des financiers, des institutions financières. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que l'on a trouvé aux alentours de la Mer Morte, à partir de 1947 jusqu'en 1952 à peu près, quelques petites trouvailles encore ultérieures, se trouvent dispersées à plusieurs endroits du monde. D'accord. Alors, le retard dans la publication complète et toute récente de ces manuscrits a suscité toutes sortes de théories de complot. Certains journalistes ont même prétendu que des textes de Qumran mettaient le christianisme en danger et que le Vatican les aurait cachés. Oui, un peu une sorte de Da Vinci Code avant la lettre. Non, c'est tout à fait faux. La chose est beaucoup plus terre à terre. Je veux dire, le retard dans la publication de tous les documents trouvés, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire les savants qui, au départ, avaient chacun eu une partie des documents sous leur égide pour les étudier, pour faire avec des équipes, voulaient tous garder le moment le plus récent pour sortir telle ou telle chose, et c'est ça qui a retardé le tout. C'est la revue américaine archéologique biblique, la Biblical Archaeology Review, qui a mené il y a une dizaine d'années une campagne de presse bien orchestrée pour pousser tous ces savants à enfin rendre publics les documents. Mais il n'y avait aucun complot au niveau religieux ou autre, si ce n'est mercantile ou d'honneur hein, de tous ces savants. Mais depuis 1993, maintenant, tout est accessible sur microfiche, et depuis 1997, on peut même acheter des CD-ROM avec tous ces textes, en hébreu bien sûr, hein, ou des copies que l'on peut voir sur ces textes. Donc tout est absolument accessible aujourd'hui, rien n'est caché, il n'y a pas de complot, c'était beaucoup plus simple que cela. En tout cas, on peut dire que peu de découvertes archéologiques ont autant provoqué la curiosité du public que l'intérêt de la recherche scientifique. Oui, et d'ailleurs encore aujourd'hui, les ouvrages qui sortent, les revues qui régulièrement en reparlent, montrent bien que c'est un sujet qui n'est pas fini, dont on n'a pas tout étudié et qui effectivement garde un intérêt probablement encore pendant un bon bout de temps. Tout autant que la recherche continue en plus. Oui, hein. Justement, parce que à part les textes bibliques, donc il y a un quart de textes bibliques, mais trois quarts sont des textes
qui décrivent un peu toutes sortes de courants de pensée théologique du judaïsme à l'époque du Christ. Et on s'est rendu compte que le judaïsme à l'époque du Christ n'était pas monolithique. Il y avait plusieurs courants de pensée. Et même dans les textes bibliques que l'on avait au départ, il y avait des petites variantes, pas importantes, mais il y avait des variantes et qui sont intéressantes aujourd'hui pour les érudits, pour les savants. Et oui, ça restera intéressant pendant longtemps encore, comme nous disions. Donc on peut donner cette même conclusion pour l'Ancien Testament que nous avions donnée pour le Nouveau Testament. La transmission des textes est fiable, et le texte que nous lisons dans les Bibles actuelles l'est aussi. Absolument. Henri, peut-on alors dire que l'archéologie dite biblique peut prouver la Bible ? Tout dépend de ce que l'on veut dire par prouver la Bible. On l'a déjà dit, la Bible n'est pas d'abord un livre d'histoire, c'est surtout un livre de foi, et où les événements ne sont pas l'essentiel. Les événements ne servent qu'à la leçon que l'auteur de tel ou tel passage ou tel texte veut donner. Mais il est vrai que les découvertes archéologiques ont permis quand même de situer un grand nombre de lieux dont la Bible parle, et dont parfois elle était la seule à parler. Certains personnages bibliques sont nommés et que jusqu'à une époque récente, on n'avait pas de preuves archéologiques. Aujourd'hui, on en a. Certains événements se trouvent dans la Bible et étaient considérés comme des légendes. Aujourd'hui, on sait, non, c'est quand même basé sur des faits réels. Deuxième élément, les milliers de manuscrits bibliques que l'on a tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, comme tu viens de le dire, nous montrent que les textes qu'on a aujourd'hui sont fiables, on peut les lire. Troisièmement, toutes les découvertes archéologiques de manuscrits, d'objets, d'autres choses, nous permettent de mieux connaître le contexte des époques bibliques, parce que l'époque biblique, ce n'est pas que Jésus-Christ, c'est aussi dès l'époque d'Abraham, c'est donc une période qui va sur 2 ou 3 000 ans. Et toutes les découvertes archéologiques nous permettent de mieux saisir le contexte. Les passages bibliques, un nombre de passages bibliques, peuvent aussi mieux se comprendre. De là à dire qu'on passe au niveau de la foi, c'est une autre étape. La foi donc ne peut pas être prouvée par l'archéologie. Pour ma part, non. On ne peut pas prouver la foi. Ce que l'on peut faire par l'archéologie, c'est de montrer que la Bible est un livre intéressant et que ce n'est pas fait que d'histoires inventées et qu'il y a beaucoup d'événements réels. Donc, en prenant à ce moment-là la Bible au sérieux, peut-être, et je l'espère en tout cas pour ma part, mais peut-être quelqu'un pourra-t-il découvrir qu'il y a un message existentiel, un message spirituel qui peut lui faire du bien. Mais c'est à un autre niveau que l'archéologie. Et ça, c'est une découverte non archéologique, mais de foi, personnel, et que chacun doit faire pour soi-même. Oui. Merci Henri pour toutes ces précisions. Nous nous réjouissons de te retrouver la semaine prochaine, ainsi que vous, chers téléspectateurs. À Jérusalem. À Jérusalem. Soyez au rendez-vous alors. Au revoir. Au revoir.